Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Ok, Nathalie, j'ai vu qu'on t'a arraché. Viens prendre. J'ai vu que tu en avais un, mais quelqu'un a pris. I saw that someone took yours. C'est pour un témoignage qui vient. It is par la foi déjà. By faith. Par la foi. By faith. Tu vas traverser la mer rouge. You will go through the Red Sea. Tu vas avoir un témoignage. You will have a testimony. Le témoignage est en train de se fabriquer pendant ce moment. The testimony is spreading right now. I'm telling somebody who has a problem now. Je dis à quelqu'un qui a un problème. That problem. Que ton problème là. That is your testimony. Est un témoignage. That is your testimony in its making. C'est un témoignage qui est en train de se faire. Reason why? C'est la raison pour laquelle. Very soon. Bientôt. You'll stand before the people of God. Tu te tiendras devant le peuple de Dieu. And you will testify. Et tu témoigneras. Amen, 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 amen. I have. Okay. You can see. Vous pouvez voir déjà. Depuis le temps de Jean-Baptiste. From the times of John the Baptist. I didn't call anyone, but somebody came. I did not call anyone. Amen, amen. Hallelujah. Heavenly Father, we come to you in Jesus' mighty name. Father God, we are grateful to have you as a father. Father God, you are the one who changed water into wine. And I do believe that the power that changed water into wine is still there, and that power was not limited just to change water into wine. That power is still there, available to each and every one of us to change our situation, our reputation, our problems into a testimony. Hallelujah. In the name of Jesus, I call upon that power. The same power that changed water into wine, let that power come down to today in the life of my brother, in the life of my sister, to change what needed to be changed. In Jesus' mighty name, I bind every spirit from the devil. I paralyze any agent of the devil in Jesus' mighty name. If you are here sent by the devil to destroy this service, I bind you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Last Sunday, someone was here trying to destroy us, mighty name. Let your spirit speak through me. Let your blessing come down for each and every one of us. In Jesus' mighty name, I so pray. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Que Dieu vous bénisse. You may be seated. Vous pouvez reprendre vos places. Don't be impressed by what I said. I'm just giving a warning. Ce que je viens de dire est juste un avertissement. Êtes-vous béni par les enseignements sur le royaume de Dieu? You know, when Jesus says, seek first, quand Jésus dit cherchez premièrement, be obedient, soyez obéissants. You will be amazed when you find what he said, seek. When you find it, your life will be changed. And you'll never be the same person. Quand vous cherchez et vous trouvez le royaume, vos vies seront transformées, vous ne serez plus les mêmes personnes. Matthieu 6:33. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Now, let me tell you that
God will never ask from us something he doesn't supply. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qu'il n'a pas donné. And God will never ask us to do something without showing us how to do it. Et Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'il ne nous a pas montré comment faire. Whatever God asks from us, tout ce que Dieu nous demande, he supplied. Il pourvoit. Whatever he asks us to do, tout ce qu'il nous demande de faire, he will show how to do it. Il montre le chemin, la voie, comment le faire. Amen. Amen. And even more, et malgré que God wants us to seek and find, Dieu veut que nous cherchions et trouvions. Jeremiah 29, verse 13. Jérémie 29 et le verset 13. And you shall seek me and find me. Vous me chercherez et vous me trouverez. When you search for me with all your heart. Si vous me cherchez de tout votre cœur. You shall seek me. Vous me chercherez. And find. Et vous me trouverez. If. Si you search for me with all your heart. Vous me cherchez de tout votre cœur. He wants us to seek him. Il veut que nous le cherchions. And in seeking or searching. Et en le cherchant. That implies some effort on from coming from us. Ça demande des efforts de notre part. Amen. Amen. Seek. Cherchez. If you seek. Si vous cherchez, you'll find him. Vous trouverez. Now you, do you know what it is like finding God? Alors, savez-vous ce que ça veut dire de trouver Dieu? The maker of the universe and in, of everything that is in the universe, but you find him. Le créateur de l'univers et tout ce que l'univers contient, vous le trouvez. You find him. Vous le trouvez. The provider. Le pourvoyeur, you find him. Vous le trouvez. You find the healer. Vous trouvez le guérisseur. You find Jehovah Nissi. Vous trouvez Jéhovah Nissi. The one who gives you victory. C'est lui qui vous donne la victoire. The one who will fight your battles. C'est lui qui combattra vos batailles, vos combats. You find the one who opened the Red Sea. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge. For his people. Pour son peuple. The one who provides manna and quails in the wilderness. C'est lui qui a donné la manne et l'écaille dans le désert. The one who gave the land of Canaan to his people. C'est lui qui a donné le pays de Canaan à son peuple. The one who was with Joshua. C'est lui qui était avec Josué. When the walls of Jericho collapsed. Quand les murailles de Jéricho sont tombées. When you find him. Quand vous le trouvez. Every wall of Jericho, every obstacle will collapse before you. Les murailles de Jéricho tombent devant vous. Chaque when you find him. Quand vous le trouvez. Every Red Sea will be open. Chaque mer rouge va s'ouvrir. David found him. David l'a trouvé. And Goliath died. Et Goliath est mort. Since he is the same yesterday, today, and forever. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He said, "I am the Lord. I have not changed." Il dit, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. You find him. Vous le trouvez. Your Goliath will die. Ton Goliath va mourir. You find him. Vous le trouvez. Like Meshach, Shadrach, and Abednego. Comme Meshach, Shadrach et Abednego. Whatever fire the devil will try to ignite for you will never burn you. Le feu que le diable va allumer pour vous ne vous brûlera pas. Reason why? C'est la raison pour laquelle. Jesus said, "Seek first." Jésus a dit, cherchez premièrement. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. And his righteousness. Et sa justice. And all these things. Et toutes ces choses. Healing. La guérison. Money. L'argent. Marriage. Le mariage. Fruitfulness. La fécondité. Success. Le succès. Prosperity. La prospérité. All these things. Toutes ces choses. Will be added unto you. Vous seront données par-dessus. Now, I want to tell you that the kingdom of God. Le royaume de Dieu. And God himself et Dieu lui-même cannot be dissociated. Ne peuvent pas être séparés. You find the kingdom, you find God. Vous trouvez le royaume, vous trouvez Dieu. The two goes together. Les deux vont ensemble. And I'll tell you again et laissez-moi vous dire that the kingdom of God que le royaume de Dieu and righteousness et la justice they go together. Vont ensemble. You need the two. Vous avez besoin des deux. They are equally important. Ils sont importants au même niveau. Because the kingdom of God is not
more than his righteousness or vice versa. Parce que le royaume de Dieu n'est pas plus que sa justice et vice versa. No. No. The kingdom of God and his righteousness goes together. Le royaume de Dieu et sa justice vont de pair. Now we saw. Et nous avons vu. I gave an emphasis on the kingdom. J'ai insisté sur le royaume. But we need to know also, I need to speak today more on the righteousness. Mais laisse-moi aussi parler de la justice. The kingdom of heaven, le royaume de Dieu, heaven is a country. Le ciel, c'est un pays. He is a country, is invisible for us. Invisible, il nous est that invisible. Kingdom of heaven, ce royaume de Dieu, is a real country. Est un pays réel. Even though we can't see it, même si nous ne le voyons pas, he is there. Il existe. And like every country, et comme tout pays, is governed by a constitution. Il a une constitution. The country of heaven, le pays qui s'appelle ciel, is also governed by a constitution. Est gouverné par une constitution. And then we that constitution, et cette constitution, is this book. C'est ce livre. And if you want to enjoy all the benefits of that country, et si vous voulez jouir de tous les bienfaits de ce pays, you need to know this constitution. Vous devez connaître cette constitution. And live accordingly. Et vivre selon cette constitution. People who are in jail right now. Les gens qui sont en prison aujourd'hui. They are in Sun City, not that Sun City when you. There is another Sun City. Ils sont dans un endroit qu'on appelle Sun City, pas le bon Sun City, non? Jail. La prison. These people, ces gens, they were messing up with the constitution of the country. N'ont pas respecté la constitution du pays. They broke some rules. Ils ont brisé la loi of the constitution of the country and now they are deprived of the benefit they can't enjoy. Maintenant, ils sont privés des bienfaits de la Constitution. Ils ne peuvent pas jouir de leurs droits. They can't enjoy the privileges of this country. Ils ne peuvent pas jouir des privilèges de ce pays. They are inside. Ils sont là-dedans. Likewise, c'est de la même manière. Those who are not respecting the constitution of the kingdom of heaven. Ceux qui ne respectent pas la constitution du royaume des cieux. They can't enjoy the benefit or and the privileges of the kingdom. Ils ne peuvent pas jouir des bienfaits ou des privilèges du royaume. There are many benefits in the kingdom of God. Il y a plusieurs bienfaits dans le royaume de Dieu. Reason why you can see. C'est la raison pour laquelle vous people verrez. Coming in this kingdom. Des gens qui viennent dans ce royaume. You can see someone coming in the church. Vous les verrez entrer à l'église. And bit by bit, life is changing. Et progressivement, la vie change. Going to better. La vie s'améliore. Just like the people of Israel living the land of slavery of bondage, going in the land that flows with milk and honey. Comme les enfants d'Israël qui allaient vers le pays où coule le lait et le miel. Even though they were going through some wilderness, malgré qu'ils traversaient le désert, but in that wilderness they had protection and provision. Mais dans ce désert, ils avaient la protection et la provision. But going to the kingdom that the land that flows with milk and honey. C'est dirigeant vers le pays où coule le lait et le miel. And while going there, et pendant qu'ils se dirigeaient, some started despising the constitution. Certains ont commencé à mépriser la constitution. And they died in the wilderness. Et ils sont morts dans le désert. On their way. Sur leur chemin. To a better life. Vers une vie meilleure. You are going somewhere. That's why we say I'm somewhere in my future and I look much better than I look right now. C'est pourquoi on dit je suis quelque part dans mon avenir et je suis mieux que je ne suis maintenant. That is the kingdom. C'est ça le royaume. You are going somewhere. Vous allez quelque part. And where you are going. Et là où vous allez. Is better than where you are now. C'est mieux que là où vous êtes aujourd'hui. You will accomplish things. Vous accomplirez des choses. You never even dreamed about. Dont vous n'avez jamais rêvé. You will be a wonder. Vous serez une merveille. Amongst the people who knew you. Parmi les peuples qui vous connaissaient. Because God is taking you from glory to glory. Parce que Dieu vous prend de gloire en gloire. You shall seek me. Vous me chercherez.
and find me, et vous me trouverez if you search me, si vous me cherchez with all your heart, de tout votre cœur. Luke chapter 12 verse 32. Luke 12 32. Jesus said, "Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Ne crains point un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Having this biblical truth, ayant cette vérité biblique, is the good pleasure of your Father. C'est votre Père qui a trouvé le plaisir to give you the kingdom, de vous donner le royaume. Kingdom, le royaume, is a mix of two words. C'est le mélange des deux mots. King, roi, dom, et domaine. A king, un roi, and has a dominion, a une domination. You need to have a dominion. Il faut avoir la domination to be a king, pour être roi. King, dominion. Roi et domaine, domination. And since you and me, et comme vous et moi, the Bible says that Jesus made us kings and priests. La Bible dit que Jésus a fait de nous des rois et des prêtres. Sacrificateurs. Des sacrificateurs. Kings and priests. Des rois et des sacrificateurs. Now every king, chaque roi, need to have a dominion, doit avoir la domination. A domain. Et un domaine. Yeah. Kingdom is king and domain or dominion. You need to have a domain. Le roi et son domaine. Vous devez avoir un domaine. If you are a king, si vous êtes un roi, you need to have a domain. Vous avez besoin d'un domaine. And on that domain, et dans ce domaine, you have dominion. Vous avez, vous exercez la domination. We are kings and priests. Nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Through the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. You need to know who you are. Il faut connaître qui vous êtes. And what Jesus did for you. Et connaître ce que Jésus a fait pour vous. And believe it. Et le croire. And you shall live it. Et vous le vivrez. He made you and me kings and priests. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Every king need a domain. Et chaque roi a besoin d'un domaine. That means that there is a domain. Ça veut dire qu'il y a un domaine where you will be ruling. Où vous allez diriger. You have to rule. Vous devez diriger. Maybe it's in the business. Dans les affaires. Maybe it's in that office. Ou dans ton bureau. I don't know in what you need to excel in some area. You are already gifted for to rule in everything. You must be the best in something. Vous devez exceller et dominer chacun dans son domaine. That is the plan of God. C'est ça le plan de Dieu. We are made. God is the king. Dieu est le roi. Of kings. Des rois. Now these kings. Alors ce roi. No, Jesus is the king of kings. Jésus est le roi des rois. These other kings is you and me. Et ces autres rois, c'est vous et moi. And we have the big king over us. Et nous avons le grand roi au-dessus de nous. And we are here on earth. Et nous sommes sur la terre. To manage, pour gérer, on his behalf, de sa part, to establish, pour établir, his dominion, sa domination, wherever we are, où que nous soyons, we to affect, pour impacter, every area, chaque domaine, where we are, où nous sommes, we are representing, nous représentons, our king, notre roi. Paul says we are ambassadors. Paul dit nous sommes ambassadeurs. Every ambassador wherever he is, chaque ambassadeur où qu'il soit, he is representing the king or the president of the country. Il représente le roi ou le président du pays. You touch an ambassador, vous touchez à un ambassadeur, you have the problem with the one who sent him. Vous avez des problèmes avec celui qui l'a envoyé. But every ambassador, mais chaque ambassadeur, need to do things according to the one who sent him, doit faire des choses selon celui qui l'a envoyé. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kingdom. Royaume. Means dominion. La domination. Royal government. Gouvernement royal. Hallelujah.
from the root word. De la, du mot because original. We're coming from Hebrews to English or from Greek to English and so on. Nous traduisons soit de l'hébreu à l'anglais ou bien du grec à l'anglais au français. The root word for kingdom. Le mot, l'origine du mot royaume. When you go in Hebrew, quand vous allez en hébreu, it means mamlaka. Ça veut dire malaka. Mamlaka. Manlaka. And that means dominion. Qui veut dire domination. Amen. Amen. Now you and me. Alors vous et moi. When we seeking. Quand nous cherchons. The kingdom. Le royaume. Of God. De Dieu. That is the dominion of God. C'est la domination de Dieu. We will have dominion. Vous aurez la domination. Wherever we are. Où que nous soyons. We will affect the things. Nous allons impacter les choses. And people. Dans la vie des gens. According to the kingdom we are representing. Selon le royaume que nous représentons. Don't, that means the first thing we are supposed to do is to get under the government. Donc la première chose que nous devons faire, c'est nous mettre sous le gouvernement. Jurisdiction. Sous la juridiction. Amen. Hallelujah. I've been told about a story. On m'a dit une histoire. A policeman was passing, d'un policier qui passait. And there was a problem somewhere, et il a vu un problème quelque part. And they called him, et on l'a appelé. But he was coming, let's say, from Jamestown, disons il venait de Jamestown. And that was a Hillbro. Et la chose se passait à Hillbro. When they called him, quand on l'a appelé, he said, no, I'm not under this jurisdiction. Il dit que ça c'est pas ma juridiction. I have no power. J'ai aucun pouvoir. In this jurisdiction. Dans cette juridiction. Meaning he can't do nothing. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. He has no authority there. Il n'a pas d'autorité là-bas. He does not have a mandate. Il n'a pas de mandat. Now you and me. Vous et moi. God said, Dieu dit, rule over all the earth. Dominez sur toute la terre. Rule over the earth. Dominez sur la terre. Have dominion. Ayez la domination. No restriction. Il n'y a pas de contrainte ou de restriction. Hallelujah. When you are under that government, quand vous êtes sous ce gouvernement, you will have privileges. Vous aurez des privilèges. I saw privileges. One of them is that is coming in my mind. L'un des privilèges qui viennent à mon esprit. One day I was coming from back here, coming from France. Un jour, je rentrais en Afrique du Sud venant de la France. But I have a way of praying. Mais j'ai une manière de prier. I speak to my father. Je parlais à mon père. To be, give me favor. De me donner la faveur. In my hotel room. Dans ma chambre d'hôtel. Before I leave to the airport. Avant de quitter vers l'aéroport. I told my father. J'ai imploré mon père. I said, Father, you have over the, I must have dominion. J'ai dit, Père, tu m'as dit que j'aurai la domination. Let favor go with me. Que ta faveur me précède. Amen. Mercy and favor. La faveur, la bonté. And I declare some words. Et j'ai déclaré certaines paroles. At the airport. Et à l'aéroport. Like every good African guy, I was. Comme chaque Africain qui se respecte. Overloaded. Comme chaque Africain qui se respecte, il faut avoir beaucoup de bagages. When you're coming from avoir overseas. Un excédent quand tu viens de l'Europe. The people from overseas, the white people, they don't they come in there. I'm receiving gifts wherever I preach. Partout où je prêche, on me donne des cadeaux. Even if I say I don't have space. Même quand je dis j'ai pas de place dans ma valise. Now I was overloaded. Alors maintenant j'avais des excédents de bagages. That lady there at the counter. Alors la dame là au comptoir. She made plan. Elle s'est arrangée. She said in this brief suitcase. Elle a dit dans cette valise. You need to have so much kilograms. Tu dois avoir autant de kilos. Remove so much. Enlève autant. Put in this. Mets là-bas. And she wear it. Et elle a pesé. And it, until it was okay. Jusqu'à ce que c'était bon. Now she told me, maintenant elle me dit, you don't have a padlock. N'as-tu pas un cadenas? I said no. J'ai dit je n'ai pas. She took a wire. Elle a pris un morceau de fil. And she fixed.
Et elle a arrangé, elle a même coupé un ongle. You know, they have nails, not original, but elles ont des ongles, pas les vrais ongles. The nail. Now, there was a steward or somebody who was working there. I know he was a boyfriend or what. He was talking to her, but she said, "Leave me alone. I'm busy helping this gentleman." And the guy looked at me and said, "What have you done to her?" Alors, il y avait un monsieur qui travaillait là-bas, il lui parlait, elle disait, laisse-moi aider ce monsieur. Et le monsieur m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Elle ne m'écoute même plus. And she went. Et elle est partie. There is a screen. Il y a un écran. Where she can see. Où elle peut voir. Seats. Les sièges dans l'avion. You know what? Vous savez quoi? She gave me 4 seats. Elle m'a donné 4 sièges. For me. À moi-même. In the middle row. Dans le, au milieu de l'avion. You know, when people are sitting, quand les gens sont assis, you sit like this until you come, vous êtes arrive. Assis du départ jusqu'à l'arrivée. For more than 10 hours. Pour plus de 10 heures. Now, when I had 4 seats, quand j'ai eu 4 sièges, I remove this, les accoudoirs, armrest. Armrest. J'ai enlevé les accoudoirs and the seat became a bed. Et c'est devenu comme un lit. That is called favor. Ça, c'est la faveur. People around me, les gens autour de moi, squatched, ils étaient là assis. Next one, like sardines in the box. Comme des sardines dans une boîte. And I was there. Moi, j'étais là. Like a king. Comme un roi. That is favor. C'est une faveur. These are just one among many privileges of the kingdom. Un des plusieurs autres privilèges dans le royaume. They will say this disease is killing people. On dira que cette maladie tue. But in the kingdom, mais dans le royaume, we have privilege, nous avons des privilèges of not dying, de ne pas mourir from diseases that are killing other people, des maladies qui tuent les autres, because we have special protection. Parce que nous avons une protection spéciale. We have a shield. Nous avons un bouclier. A shield. Un bouclier. But you need to seek first the kingdom. Mais premièrement, cherchez le royaume. And his righteousness. Et sa justice. Hallelujah. The only way to solve our greatest needs is to place ourselves under the kingdom of God. La seule manière de résoudre nos plus grands besoins, c'est de nous placer sous le royaume de Dieu. While on earth, pendant que nous sommes sur la terre, when we place ourselves under the kingdom of God, nous nous plaçons sous le royaume de Dieu. That is the only way. C'est la seule manière to solve our greatest problems. De résoudre nos plus grands problèmes. Not just to join a religion. Pas seulement de faire partie d'une religion. Or join a lodge. Ou bien de joindre une no. loge. Non. When you are under the kingdom, quand vous êtes sous le royaume, that kingdom. Ce royaume will solve your problems. Va résoudre vos problèmes. With the kingdom of God come his righteousness. Avec le royaume de Dieu vient sa justice. And we cannot inhabit that kingdom. Et nous ne pouvons pas faire partie de ce royaume without the righteousness. Sans sa justice. Alléluia. Standing right with him. Être juste devant lui. Righteousness. La justice. Or lack of it. Ou le manque. Ou le manque de la justice. Affect our whole life. Va affecter toute notre vie. Having righteousness. Avoir la justice. Or not having the righteousness of God. Ou la manquer. Is affecting the entire life. Affectera ou impactera la vie d'une personne. Alléluia. The righteousness of God is very important not to be taken too lightly. Alors la justice de Dieu est très importante, ne la prenez pas à la légère. That means ça veut dire you are upright. Vous êtes juste. You are just. Correct. Righteous. Vous avez la justice. Conforming to God's law. Vous vous conformez à la loi de Dieu. You are upright. Vous êtes juste. You'll have protection where people have no protection. Vous aurez la protection où personne n'a la protection. You see people, you know, vous savez, you can be involved in a car crash. Tu peux être dans un accident.
And when you leave that car, et quand tu quittes, tu sors de cet accident, people think that no one came alive from this. Les gens, quand ils voient l'accident, ils vont imaginer ou penser que personne n'est sorti vivant de cet accident. Alléluia. One guy, the guy that's sitting there, le monsieur qui est assis là, au coin, was involved in a car crash. Il était dans un accident. He went in le ravin, c'est quoi? Over the cliff. Over the cliff. And the people came from all over to look. Il est tombé dans un ravin, les gens sont venus de partout pour because voir. There was a dust. Parce qu'il y avait la poussière. And people could not see through the dust. Et les gens ne voyaient pas ce qu'il y avait now, dans in la poussière. That crowd, alors, dans cette foule, after the dust, quand la poussière they went in the car to look, there was no one. S'est dissipée, ils sont allés dans la voiture pour voir, il n'y avait personne. And they were asking themselves, et ils se posaient la question entre eux. There's no one. Il n'y a personne. And the guy said, it's me. Et le monsieur dit, non, c'est moi, j'étais là. With no scratch. Sans égratignure. Nothing missing, nothing broken. Rien ne manque, rien n'est brisé. And that car has been thrown to the scrapyard. Et cette voiture a été déclassée. Unusable, unreparable, si ça se dit. Yes. Impossible de réparer, impossible de réutiliser. Unfixable. Impossible de réparer. Useless. Inutile. But the guy, mais le monsieur, no scratch, aucune égratignure, nothing missing, nothing broken. Rien n'est brisé, rien ne manque. It doesn't mean that he know how to fly out of the car. Ça ne veut pas dire qu'il sait comment s'esquiver de l'accident de sortie these de la voiture. These are things that are happening in the kingdom. Ça, c'est des choses qui arrivent dans le royaume. In that time, à ce moment-là, if you are not upright with God, si tu n'étais pas droit avec if Dieu, you are not under the government of God, si tu n'étais pas sous le gouvernement de you Dieu, are gone, tu es parti, or crippled for life, ou tu es paralysé pour la vie. But when you are, because you are under that government, mais parce que tu es sous ce gouvernement, you have the protection of that government. Tu as la protection de ce gouvernement. Because of the righteousness. À cause de la justice. Seek first. Cherchez premièrement. The kingdom. Le royaume. Of God. De Dieu. And His righteousness. Et sa justice. And all these things will be added unto you. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Loved in the Lord, this message is very dear to me. Very dear to me. Ce message est près de mon cœur. Hallelujah. In the book of Deuteronomy chapter 16 verse 20. Deutéronome 16 et le verset 20. You shall follow what is altogether just that you may live and inherit the land which the Lord your God is giving you. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Give me that version, media. Donnez-moi cette version. You shall follow what is altogether just. No, the other version. You just remove. Media, please. Pursue justice and justice alone so that you will live and possess the land the Lord your God is giving you. Poursuivez la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pursue justice. Poursuivez la justice. That means the righteousness of God. La justice de Dieu. So that you will live. Afin que vous viviez. And possess. Vous possédiez. The land. Le pays. Possess the land. Possédez le pays. That means. Ça veut dire. You can open companies. Vous pouvez ouvrir des compagnies. In Joburg, in Durban, and Port Elizabeth, and Cape Town. À Joburg, à Durban, à Port Elizabeth, à Cape Town. In Tokoza. À Tokoza. You open companies. Tu ouvres des compagnies and seulement. People don't understand how do you do that. Et les gens ne comprennent pas comment tu t'en sors. Because Bible says when you pursue. Justice, that is the righteousness of God. Parce que la Bible dit que quand vous poursuivez la justice de Dieu. Privilege number one, you shall live. You will live. Privilège numéro un, tu vivras. Even if people are dying at your side or 10,000 are dying at your right hand, you shall live. Même si les gens meurent à gauche et à droite, toi tu vivras.
And let me tell you, that is not enough to exist, because I prefer to live than to exist. Vous savez, c'est pas suffisant d'exister. C'est mieux de vivre que d'exister. Because some people just exist. Il y a des personnes qui existent seulement. But they're not living. Mais elles ne vivent pas. I don't know if you understand. Est-ce que you vous know, comprenez? This flower, vous savez, cette fleur, even though it's beautiful, même si elle est jolie, it exists. Elle existe. But it's not living. Mais elle ne vit pas. Nice colors, des très belles couleurs vives. Beautiful bunch of flowers. Un joli bouquet. It exists. Mais elles existent seulement. But there's no life. Mais elles n'ont pas de vie en elles. Some people are existing. Certaines personnes sont comme ces fleurs. They elles existent. Living. Elles ne vivent pas. But when you have the righteousness of God, quand vous avez la justice de Dieu, you will live. Vous vivrez. Existing is not enough. Exister, c'est pas suffisant. You know when this flower, because it exists and not live. Et parce que ces fleurs existent et ne vivent pas. Now it has lost one leaf. Alors elles ont perdu une feuille. No other leaf will grow. Il n'y a aucune autre feuille qui remplacera celle-ci. This leaf is gone forever. Cette feuille est partie pour toujours. But that is the difference. C'est ça la différence. With the living flowers. Avec les fleurs qui vivent. Leaves die. Une feuille peut tomber. And other leaves more beautiful. Mais des meilleures feuilles are growing. Vont les remplacer. When you have the righteousness of God. Quand tu as la justice de Dieu. You shall live. Tu vivras. Not only that you shall live. Pas seulement tu vivras. But you will possess. Mais tu posséderas. The land. Le pays. And when you possess. Et quand tu possèdes. No one can shake you. Personne ne peut te bouger. No one can move you. Personne ne peut te remplacer. No crisis can move you. Aucune crise ne peut te bouger. If we are in times of crisis. Nous sommes dans le temps de la crise. If you are under that government. Si tu es sous ce gouvernement. What you possess, ce que tu possèdes, cannot be taken from you. Ne te sera pas arraché. In spite of the crisis, malgré la crise, you won't lose. Tu ne perdras pas. But if you lose, mais si tu perds, you receive seven times. Tu recevras au centuple. That is what is happening. C'est ce qui se passe. In the kingdom, dans le royaume, whatever you lose, tout ce que vous perdez, you will have back seven times. Vous récupérez cette fois. That is the government. C'est ça. Le gouvernement of the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. Reason why Jesus says, c'est pourquoi Jésus dit, seek first, cherchez premièrement, desire, désirez, with all your heart, de tout votre cœur, the kingdom of God, le royaume de Dieu, and his righteousness, et sa justice. Let the interests of God become your interests. Que les intérêts de Dieu deviennent tes intérêts. Love what God loves. Aime ce que Dieu aime. Hate what God hates. N'aime pas ce que Dieu est, ce que Dieu est. Do what God wants you to do. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. No matter what. Quoi qu'il arrive. That is seeking the kingdom. C'est ça, chercher le royaume. Hallelujah. When Jesus said, quand Jésus dit, Father, Père, if it is possible, si c'est possible, remove this cup away from me. Éloigne cette coupe de moi. Nevertheless, néanmoins, not my will, pas ma volonté, but your will, mais ta volonté. He was seeking first, il cherchait premièrement, the will of God, la volonté de Let Dieu. The will of God, que la volonté de Dieu, become your will, devienne ta volonté. And when he did so, et quand il a fait comme ça, he knew that it was tough. Quand il a fait cela, c'était dur. He was about to be betrayed by Judas. He was already betrayed by Judas. Il était déjà trahi par Judas. Ready to be taken. Et il était prêt d'être amené. Since he is the all-knowing God. Mais comme il est le Dieu omniscient. He foreknew the suffering that was waiting for him. Il connaissait à l'avance la souffrance qui l'attendait. He knew. Il connaissait the whip. Le fouet. You know that whip. Ce fouet là. It was not an ordinary whip. C'était pas un fouet ordinaire. It has something like bones, like nails on it. C'était un fouet avec des petits crochets. Every slash. Chaque fois qu'on le fouettait. And when they remove it. Et qu'on enlevait le fouet. It has something like small hooks. Il y avait des petits crochets. It was taking. Qui tirait. Pieces of flesh. Un peu de chair. And again. Et encore. And again. Et encore. And again. Et encore. He knew it. Il le savait.
He knew that they will remove his cloth. Il savait qu'il serait déshabillé. He knew that they will spit on him. Il savait qu'on cracherait sur lui. He knew that they will nail him. Il savait qu'il serait cloué on the cross. À la croix. He knew that they will take his beard. Il savait qu'on arracherait sa barbe. Hein? Pull out. You know, sometimes when we are shaving, we parfois quand nous nous rasons, hein? We have some. Sometimes we're bleeding. Parfois nous saignons. But pull out his beard. He knew. Mais là, c'était arraché. Il savait qu'on arracherait. He said, Father. Il dit, Père. If it's possible. Si c'est possible. Take this away. Éloigne cette coupe de moi. Nevertheless. Néanmoins. Your will. Ta volonté. Not my will. Pas la mienne. And what was the will of the Father? Et c'était quoi la volonté du Père? Go ahead. Vas-y, avance. Receive the shambok. Va recevoir le fouet. You will be nailed. Tu seras cloué. You will have that crown of thorns. Tu auras cette couronne d'épines. But after that, et après cela, you receive the name that was above, that is above all names. Tu auras le nom qui est au-dessus de tous les noms. In heaven, dans le ciel. On earth, sur la terre. Under the earth, et sous la terre. No other name, aucun autre nom. And every knee, et tout genou shall bow, fléchira. To the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thanks to saying not my will. Grâce à dire pas ma volonté. But your will. Mais ta volonté. You know the problem of Adam. Le problème d'Adam. They had everything. Ils avaient tout. But they did their will instead of the will of God. Ils ont fait leur volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. And they lost. Et ils ont perdu. What they had. Ce qu'ils avaient. And that is happening with many of us. Et cela arrive avec plusieurs d'entre People nous. People like to do their will instead of doing the will of God. Les gens aiment faire leur volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. And every time you do your will instead of the will of God. Et chaque fois que vous ferez votre propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. You are jeopardizing some blessings. Vous mettez en danger certaines bénédictions. You are exposing yourself. Vous vous exposez to the other kingdom. À l'autre royaume. You've been redeemed from the kingdom of darkness. Vous avez été racheté du royaume des ténèbres. Through the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. But when you do your will, mais quand vous faites votre volonté, you are in the same position as Adam and Eve. Vous êtes dans la même position qu'Adam et Ève. When God said, "Don't touch that," quand Dieu a dit, ne touchez pas ceci, and the other king, et l'autre roi, of the darkness, told them that, du royaume des ténèbres, lui, il dit non. God is lying to you. Dieu est en train de vous mentir. He knows. Il sait that when you eat that, que le jour où vous mangerez, you'll become like God. Vous deviendrez comme Dieu. But they did. Mais ils ont fait. They listened. Ils ont écouté to the devil, au diable. And they lost what they had. Et ils ont perdu ce qu'ils avaient. They knew God made when He made them. Quand Dieu les a créés, He made them in His likeness. Il les a créés à son image. Already. Déjà. He said, "Let us make men in our image and in our likeness." Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. And the devil said, "If you eat, you'll come like, become like God." Le diable vient mentir. Si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. They were already like God. Mais ils étaient déjà comme Dieu. You are already blessed. Tu es déjà béni. That's why you see some people. C'est pour ça que vous voyez certaines they personnes have talent. Qui avaient des talents. Maybe to sing. De chanter. They have talent. Des talents given by God. Que Dieu leur a donné. Now they have talent. Maintenant ces talents. Now they go and look for muti. Ils vont maintenant chercher des fétiches. To succeed. Pour réussir. When you begin to sing, quand tu commences à chanter, you had no muti. Sans, quand tu as commencé à chanter, tu ne fais pas de fétiche. And you were singing well. Et tu chantais bien. Now you want to sing better. Maintenant tu veux mieux chanter. And you go and look for muti. Et tu vas chercher des fétiches. To sing. Pour chanter. And so on. Et ainsi de suite. Some people are look. They are already in the marriage. Certaines personnes sont déjà dans le mariage. They go and look for muti to be loved more. Et ils vont chercher les fétiches pour être aimés. And at the end of the day, they lose. Et à la fin, elles perdent tout. Bien, ils perdent tout. The marriage. Même le mariage. Yeah. Oui. Only what has been given to you by God. Ce que Dieu t'a donné.
That is the true blessing. C'est ça la véritable bénédiction. That is not followed by tears or sorrow. Qui n'est suivi d'aucun chagrin, d'aucun malheur. Alléluia. Everything that you have outside of the kingdom. Tout ce que tu as obtenu en dehors du royaume. It will be followed by tears. Sera suivi de pleurs. And sorrow. Et de malheurs. Because the Bible says that men can have only what they have been given from heaven. Parce que la Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jeremiah 22 verse 3, the Bible says, thus says the Lord, execute judgment and righteousness and deliver the plundered out of the hand of the oppressor. Do no violence to the stranger, the fatherless or the widow, no shed innocent blood in this place. Verset 3, ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ces lieux. That is righteousness. C'est ça la justice. And the true righteousness, et la véritable justice is coming from the king, vient du roi of our kingdom. De notre royaume. Alléluia. I like also Psalm 119. Psaume 119 from 121. À partir du verset 121. It's beautiful. Un joli verset. Amen. On a dit amen. And this is the psalm written by the King David. C'est le psaume que le roi David a écrit. Where were we? 21, yes. I have done justice and righteousness. Do not leave me to my oppressors. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Can you say that to God? Est-ce que tu peux dire ceci à Dieu? I have done justice. J'observe la loi and righteousness. Et la justice. Do not leave me. Ne m'abandonne pas to my oppressors. À mes oppresseurs. Because I'm pursuing righteousness. Parce que je poursuis la justice. Don't leave me. Ne m'abandonne in pas. The hand of my enemies. Entre les mains de mes ennemis. In the hand of my oppressors. Entre les mains de mes oppresseurs. You know when you are praying. Quand tu pries. Based on the words like this. Basé sur une parole comme celle-ci. The answer is straight. La réponse est directe. Because some people don't receive answer because of lack of righteousness. Certaines personnes ne reçoivent pas de réponse par manque de justice. Il leur manque la justice. Here the psalmist is pleading with God. Ici, le psalmiste il est en train de plaider avec He Dieu. Said, I have done justice. Il dit, j'ai observé and la loi righteousness. Et la justice. Don't leave me in the hand of my oppressors. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Be surety for your servant for good. Do not let the proud oppress me. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Be surety. Prends sous ta garantie. You have surety. You have a guarantee. Donc vous avez une garantie. Alléluia. Amen. Be my guarantee. Sois ma garantie. For good. Do not let the proud oppress me. Pour le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par les orgueilleux. My eyes fell from seeking your salvation and your righteousness, your righteous word. Deal with your servant according to your mercy and teach me your statute. I am your servant. Give me understanding that I may know your testimonies. It is time for you to act, O Lord. You're telling God it's time for you to act. For they have regarded your law as void. Therefore, I love your commandment more than gold. Yes,
then find gold. Therefore, all your precepts concerning all things I consider to be right. I hate every false way. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je hais toute voie de mensonge. Amen. This is the things to seek first. Voilà les choses qu'on doit chercher premièrement. The kingdom of God and His righteousness. Le royaume de Dieu et sa justice. You have privileges. Vous avez des privilèges. You have protection. Vous avez la protection. You have provision. Vous avez la provision. You have guarantee. Vous avez une garantie. You say, he said, Father, il dit, Père, because I did righteousness, parce que j'accomplis, je fais la justice. Don't let me in the hand of my oppressors. Ne m'abandonne pas entre les mains de mes don't oppresseurs. Allow the oppressors, ne permets pas aux oppresseurs or the proud to oppress me. Ou les orgueilleux, ne me laisse pas opprimer par eux. It's time to act now. Il est temps d'agir maintenant. Because I practice righteousness. Parce que je pratique la justice. If it is written, si c'est écrit, it's for you and me to know, c'est pour que nous sachions that we can do the same, que nous pouvons faire pareil and have the same result, et avoir le même résultat. Divine protection. La protection divine. Even divine provision. La provision divine. Beloved in the Lord. Bien-aimé dans le in Seigneur. The book of Proverbs, chapter 13, verse 22, dans Proverbes 13, 22, I love very much this one. Un verset que j'aime beaucoup. A good man leaves an inheritance to his children's children. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. You know, some wicked people, they go and they leave nothing behind them. Il y a les méchants qui partent et ils ne laissent rien derrière. Even if they had a lot. Même s'ils avaient beaucoup. I've seen rich people dying and leaving nothing behind. J'ai vu des hommes riches mourir et ne rien laisser. But the Bible says that comme héritage. A good man leaves an inheritance to his children's children. Mais la Bible dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Now comes the best. Maintenant, la meilleure partie du verset. But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. You know, when a sinner is rich, quand un pécheur est riche, the Bible said, don't be jealous. La Bible dit ne soyez pas jaloux. Don't envy them. Il ne faut pas l'envier. Why? Pourquoi? They're working for you. Ils travaillent pour toi. Every sinner who's working. Tous les pécheurs qui travaillent là. Is working for you. Ils travaillent pour vous. The Bible says. La Bible le dit. The wealth. La richesse. Of the sinner. Du pécheur. Is stored up. Est réservée. For the righteous. Pour les justes. There is a time. Il y aura un temps that it will shift. Où il y aura un changement. It will change hands. Où le changement aura lieu. They're working for us. Ils travaillent pour nous. I'm telling you. Je vous le dis. The sinners are working for us. Les pécheurs travaillent pour nous. There is a sinner somewhere building a house for you. Il y a un pécheur quelque part en train de construire une maison pour toi. I live in a house that has been built for me. Je vis dans une maison qui a été construite pour moi. By a sinner. Par un pécheur. Now it's mine. Maintenant, elle m'appartient. When he was building that swimming pool, quand il construisait cette piscine-là, I don't know how much he spent. Je ne sais pas combien elle a dépensé. It was for me. C'était pour moi. He made a very beautiful house. Il avait une belle maison. Not knowing that it was for me. Ne sachant pas que c'était pour moi. Since you are the righteous of God. Alors, comme vous êtes le juste de Dieu, the wealth, la richesse of the sinners, du pécheur, are stored up, vous sera for you, réservé. Alléluia. Alléluia. C'est stocké. Ces richesses des pécheurs sont stockées pour c'est vous. C'est un stock. It is a stock for you. For you.
in due time. Au moment convenable. What do you have to do? Just pursue. Seek first. Tout ce que vous avez à faire, c'est de poursuivre la justice de Dieu. His righteousness. Le royaume de Dieu et sa justice. The wealth. La richesse. Not some money, huh? Pas l'argent. No, the wealth. La richesse of the sinners du pécheur is stored up. Vous est réservée. For you. Someone is building a business. Quelqu'un est en train de bâtir un empire, des business. For you. Pour toi. When he finish, quand il a fini, that business will become yours. Il va prendre ses affaires et vous les donner. Somehow. D'une manière ou d'une autre. Something will happen to him. Quelque chose arrivera. Hallelujah. Hallelujah. You know, something can happen. Quelque chose peut se passer. And for my house, pour ma maison, the doctor told the owner of the house. Le docteur a dit au propriétaire de la maison. That's the ex-owner. L'ancien propriétaire. Amen. Amen. That the health of your son. Que ton fils a une maladie. It's better he lives in Cape Town. Et pour sa santé. Eastern Cape. Eastern Cape. Pour la santé de ton fils, c'est mieux que vous quittiez Johannesburg. Allez vivre dans le Eastern Cape. He can't stay in Johannesburg. Il ne peut pas rester à Johannesburg. And he loved the house. Et il aimait la maison. He built the house. Il avait construit la maison. The doctor told him. Mais le docteur lui a dit. That for your, the health of your child. Pour ton enfant, la santé de ton enfant. It's better with the weather of Eastern Cape. Ah, il lui faut le climat de Eastern Cape. And he went. Et il est parti. And I took it. Et j'ai pris. God will make a way. Dieu ouvrira un chemin. Where it seems no way. Là où il ne semble pas avoir de chemin. Apparently there's no way. Apparemment il n'y a pas de chemin. But God makes way. Mais Dieu fera un chemin. In places where it seems there's no way. Dans des endroits où il n'y a pas de chemin. You are here in a situation. Tu es dans une situation. And they told you no way. Et on t'a dit qu'il n'y a pas d'espoir. Let every man to be find a liar. Que chaque homme soit menteur. God alone to be find it true. Que Dieu seul soit vrai. Because there is a way. Parce qu'il y a un chemin. With God there is always a way. Avec Dieu il y a toujours un chemin. They said to you no. On t'a dit il n'y a pas. God said there is a, that is a liar. Mais Dieu dit c'est un mensonge. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. They told you there is no way. On t'a dit qu'il n'y a pas d'espoir. But I'm telling you in the name of Jesus. Mais dans le nom de Jésus, je there te is dis, a way. Il y a un chemin. Because with God. Parce qu'avec Dieu, there is always a way. Il y a toujours un chemin. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. There is a brother sitting there. Il y a un frère qui est assis là. He had an accident. Il avait un accident. The doctor said. Et le docteur a dit. He will be a vegetable. Et il sera comme un légume. Because his brain blah blah blah. Et son cerveau ceci cela. And he can't stand right. He can't walk right. Il peut pas marcher. Il peut pas se tenir debout. Brother Robert, are you here? Frère Robert, reste-tu là? Please stand up. Tiens-toi debout. They told you a liar. On t'avait menti. There was a scanner. There was a scan. Ils ont fait le scan du cerveau. And the scan said, et le scan a dit, this man is finished. La radio du cerveau a dit, cet homme est fini. And the wife and the kids came in the church. La femme et les enfants sont venus à l'église. And we as a church, et nous en tant qu'église, representing the kingdom, représentant le royaume, having dominion, ayant la domination on earth, sur la terre, we contradicted, nous avons contredit what the doctor said, ce que le docteur a we dit. Said no. Nous avons dit non. We say no to that report. On a dit non à ce rapport médical. Today the brother is here. Le frère est là aujourd'hui. And the wife was here. Where is sister Nono? Où est la sœur Nono? This is the first time I don't see Nono in the church. C'est la première fois que je ne vois pas Nono à l'église. Because she's here on Wednesday, on Friday, on. Parce qu'elle est là mercredi, vendredi. She's coming.
Okay. Give a hand to Jesus. Acclamons pour Jésus. We are the kingdom of God. Nous sommes le royaume de Dieu. There is no other kingdom. Il n'y a pas un autre royaume. About this kingdom. À part ce royaume. This is the most powerful kingdom. Parce que celui-ci est le royaume le plus puissant. The brother is standing there. He's there. Le frère est là, il est debout. He can dance, he can sing, he can pray. Il peut danser, il peut prier, il peut marcher. But Nono went to hospital. Mais quand Nono est parti à l'hôpital, he could not speak. Il parlait pas. He could not move. Il bougeait pas. He could not recognize his wife or his children. Il avait perdu connaissance de sa femme, de ses enfants. He can ask the same question 5 or 10 times. Vous posez la même question 5-10 fois. And they answer him 5 or 7 times. Et on va répondre 5 à 10 fois. Reason why, guys, la raison pour laquelle, frère, you need to have a wife that believes in God. Ayez des femmes qui craignent Dieu. Don't go and marry somebody who cannot pray for you when in time will come for you. N'épousez pas des gens qui ne peuvent pas prier pour vous. Back up. Quand vous avez besoin de prière. The wife was here. La femme était ici. She was giving me report every day. Tous les jours, elle me faisait rapport. Si j'entends que tu fais souffrir Nono, tu auras des problèmes avec moi. You must not make your wife suffer. She was here. Elle était ici. Every day. Tous les jours. She would tell me. Elle me disait. This is what the doctor said. Voici ce que le docteur a dit. And I said no. And I said, j'ai dit non. He's not dying. Il ne mourra pas. Il vivra. See, if she doesn't find me, she'll find Pastor Serge. Si elle me trouve pas, elle va chez le pasteur Serge. Day in and day out. Tous les jours et toutes les nuits. We being the representative of the Almighty God. Nous étions les représentants du Dieu Tout-Puissant. We cancel the doctor's report. Nous avons annulé le rapport médical. Here is the brother. Le voilà. He's the clapping hands, en train d'applaudir, de chanter, de danser. Why? Pourquoi? Because our kingdom, parce que dans notre royaume, is more powerful. Notre royaume est plus puissant than all other kingdoms. Que tous les autres royaumes. Seek first, cherchez premièrement the kingdom, le royaume, and the righteousness of God, et la justice de Dieu. You shall live, vous vivrez, and you will possess, et vous posséderez. This is our time, c'est notre temps. To be ready, votre temps d'être prêt. Chaka 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 chaka. Oh robobo chendere. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. This is our time. C'est notre temps. Why? Pourquoi? Because we have a covenant. Parce que nous sommes en alliance. In this covenant. Dans cette alliance. That is the covenant of peace. L'alliance de paix. Now that peace, cette paix, is not the peace, ce n'est pas la paix, like the one the world gives, comme la paix que le monde donne. The peace that we have, la paix que nous avons, is different, est différente, because the peace of the world, la paix que le monde donne, depend on circumstances, dépend des circonstances. You have nice job. Tu as un bon travail. You have peace. Tu as la paix. No trouble, no problem at home. Tu n'as pas de problème à la maison. Peace. Tu as la paix. But the kingdom of God, mais le royaume de Dieu, is not connected to circumstances. N'est pas affecté par les circonstances. In times like this, dans des temps comme ceci, we are a covenant. Nous sommes en alliance. Covenant of peace. De paix. Isaiah 54 verse 10. Ésaïe 54 10. Mountain can be shaken. Les montagnes peuvent être bouleversées. But my joy and my love and my peace, mais mon amour et mon alliance de paix, won't be moved. Ne sera pas bouleversé. The mountains shall depart. Les montagnes peuvent être bouleversées. And the hills be removed. Et les montagnes, les collines, my love shall not depart from you. Mais mon amour ne s'éloignera point. Nor shall my covenant of peace be removed. Mon alliance de paix ne sera pas enlevée. Mountains are moving right now. Les montagnes sont bouleversées en ce temps. Hallelujah. Hallelujah. Mountains are moving. Les montagnes sont bouleversées. Things are changing. Les collines chancellent. Things are no longer the same. Les choses changent. But to the love of God. Et l'amour de Dieu. And His covenant. Et l'alliance de Dieu. Of peace. Son alliance de paix. Is here. Est là. To give you a peace. Pour vous donner la paix. That is beyond understanding. Qui est au-delà de toute compréhension. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you.
Hey family, we hope you enjoyed today's service and we're truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.